suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Mad Max. Donc, chers amis, on va aller faire quelques petites choses. Deux campements, en espérant qu'on puisse les faire les deux dans l'épisode. Regarde l'heure qu'il est. 49, ok. On va commencer par... par ce campement. Cependant, je ne sais plus si ce campement, justement, est... enfin, comment il est surveillé. Je crois que c'est là-dedans. Non. Non plus. Journal. Rencontre. Rencontre info. Sit tight. Hop. Oula, grosse baisse de framerate, incompréhensible. Alors, j'ai pas pu la tirer? Je n'ai plus? Putain. Merci de me prévenir. Aïe. J'aime quand le jeu me prévient de ces choses-là. Hop, et elle tombe. Ça t'apprendra. Par la caisse. Tant pis, si le camp est en alerte, le camp est en alerte. Ok. Donc c'est pas par là que je peux. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle communément, chers amis, une entrée en grande pompe. Ok, salut les mecs! Boum! Raté! Voilà! Boum! Voilà, ferme-la! Qu'est-ce qu'on a ici? 7 ferrailles, 3 emblèmes, parfait! Et de 1. Ah mince, je me trompais de bouton. Bon, j'ai vu qu'il y avait ailleurs pour monter dessus, hein, mais n'inquiétez pas. Mais autant faire dans l'action. Ah, il veut pas. Quand il veut pas, il veut pas. Hein. C'est assez incroyable. Prendre le butin. Pourquoi pas. Mais il veut vraiment pas ou genre... Ah bah si, voilà. Et de deux. Faire tomber l'échelle. Hop. Ok. Ah mince, vas-y. Un emblème là. Boum. 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 J'ai des baisses de framerate, je sais pas ce qui se passe, c'est tout nouveau, chers amis. J'avais pas ça avant. Bon.
remplir la gourde un petit peu. Et oui, elle est cool ta vie. Mais je suis prêt. Hein. Parfait. Mais je suis un homme. Je suis là. Aïe! Ah, et c'est pas lui que je visais. Salut les mecs! Boum! 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 Aïe! Boum! La gauche! La gauche qui fait mal! C'est comme le gouvernement. Enfin bon. De toute façon, soit droite ou gauche, hein, on est tous d'accord pour dire qu'ils font tous autant de la merde. C'est dommage, c'est intéressant ça. Ça m'aurait évité de gaspiller. Gaspiller des balles, tout ça. La ferraille! Par contre, les emblèmes de Scrotus, il n'y en a pas des masses. Hein. J'avais pas vu genre une échelle, voilà. Parfait, il l'emmène avec lui. Si ça, c'est pas la classe. À manger, ça c'est cool aussi. Dinky D! Hop! Montons. Ok. Il semblerait donc qu'on ait un petit peu... Bah alors, brisé. D'accord. Pourquoi je me pose la question? Ok. Requiert une explosion. Ah! Et boum! Oula! C'est que c'est devenu mystique d'un coup! Ah, c'était les Grecs. J'ai pas vu la touche. Je la regardais en bas en fait. Et boum! Quoi, t'as survécu? Donne-moi ton butin. Ah! Oh. C'est très étrange par là, n'empêche. Hein. Ah, je peux le casser ça? Briser. Ouh. Ah, le dernier emblème, je crois. Dans une espèce de cage. Pauvre bonhomme. Oula, mais il était pas normal de base celui-là. C'est con. C'est con quand ça arrive en fait. Alors, pas de sniper là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Un groupe électrogène. Ah bah on y est, pompe à pétrole. Hello. Dommage que je puisse pas monter avec. Est-ce qu'on a tout? Ah, on n'a pas la pièce. C'est marrant ça. On n'a pas trouvé la pièce. Ça ne me plaît pas, à vrai dire. Par là-bas, il y a que ça. Il n'y a que ça, on n'a pas trouvé la pièce, ça m'intrigue. Alors. Boum.
c'est beau ça. C'est beau, chers amis. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Putain, y'a ma chaise qui craque, c'est chiant. Enfin, qui queen. Faut qu'on trouve l'élément de projet, c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu. Vous pouvez vous pousser. Ah, par contre, on a de nouvelles améliorations. Exact. C'est le grappin niveau 3 qu'on a. Mais bon, d'ici là qu'on ait de quoi le... Ah si, justement, il y a une voiture ferrailleuse. Il y a une ferrailleuse dans le coin. Donc de ce côté-là, c'est bon. Elle est pas là, parce que j'ai pas trop regardé. Du coup, j'ai beaucoup regardé le bonhomme, mais j'ai pas regardé autour. Non, apparemment, non, elle est pas là. Alors. Là-bas non plus. Non plus. Je ne vois rien. Bon. Là, ce n'est qu'une arme. Là-haut, j'y suis déjà allé, j'ai déjà tout checké normalement. Elle est là. D'accord. Il faut que je passe par en haut. Pourquoi pas? Oh. Parfait. Allez, vas-y Max. Hop là. Ah non, en fait, tout à l'heure, je suis passé à côté, mais sans rien voir. Puits de pétrole. 1 sur 2. Parfait. Donc là, oui, effectivement, on l'a fini. On a à peu près 10 minutes, donc on devrait pouvoir finir l'autre. Ça va se jouer à rien. Surtout qu'il faut qu'on rentre chez Jit. Oh là, je me suis trompé de bouton. Je vais quand même, alors, prendre le jerrycan. Vous allez comprendre. Équiper le sniper, prendre le jerrycan, faire le plein, si possible. Parfait, elle est déjà pratiquement pleine en fait. Du coup, ce jerrycan est plutôt plein, ce qui pourrait être pratique. Dommage qu'il n'y ait pas d'interface pour savoir qu'est-ce qui reste dans le jerrycan en fait. Je vais le lancer là-bas. Prendre le jerrycan et on le remplace par celui-là. Stocker le jerrycan. Ensuite, on part avec la ferrailleuse. Voilà. Ah oui, c'est vrai, elle a un putain d'angle de braquage de merde. Et on y retourne pour engranger une petite quantité sympathique de ferraille. Et puis si l'épisode dure 30 minutes après tout, hein. Et puis après maintenant, chers amis, je crois qu'il y en a beaucoup de Mad Max qui durent 30 minutes au lieu de 20. Mais bon, je m'éclate. Hop. Voilà. Hop. Ferraille livrée, ça fait du bien par où ça passe. On repart. Et cette fois-ci, on va ici, chers amis. Et là, je sais que normalement, on a pris des informations. Comment il l'appelle celui-là? Le dragage. C'est là, je vais y arriver, chers amis. Réservoir de carburant, sous-sol infesté de rats, impossibilité d'une meilleure approche par le sud. Ah ah, alors par le sud. Ok. C'est parti. Alors, je me demande, je dis ça comme ça au pif, hein, si les baisses de framerate ne seraient pas dues au fait qu'il y ait une mise à jour à faire. J'ai une mise à jour à faire sur mon panneau Nvidia là. La GeForce Experience. Je me demande si c'est pas ça.
Meilleure approche par le sud, qui m'a dit. Enfin, qu'elle m'a dit. On va bien voir, on va chercher un petit peu. Ouais. Alors là, meilleure approche par le sud, je suis désolé. Ah si, ce serait ça. D'accord, bon, on va faire ça. Qui va ramener la voiture. Get the wheels here. Il l'amène, parfait. Putain. I'm here for you. Voilà. Bonjour. Alors j'ai pas eu le temps de voir. Détruisez les transferts, les réservoirs de ce camp. Oh pardon, martelé. Hop. Ah putain, mais je me trompe de bouton. Hop. Hop. De toute façon, y a plein de choses à faire là-dedans. Réservoir 10. Parce que j'ai cru comprendre, ils sont en sous-sol. Je vais reculer la voiture, ça me gêne. Oula. Hop. Oui, je sais. Par contre, il me faut de quoi faire péter ce truc. Là. Allez. Bim. Où il est ce foutu aboyeur? Oh. Putain. Voilà. Boum. J'aimerais éviter d'utiliser des cartouches pour ça. Malheureusement, je suis baisé, j'en ai plus du tout. Hop. Ça explose de partout. Est-ce qu'il y a un réservoir en trop ? Un petit ? Un petit réservoir en trop ? Oh, un couteau. C'est bon ça. Ah non, je croyais que ça allait s'ouvrir en fait. Réservoir. Oh, là-bas il y a de la ferraille par contre. Hop. Ah bah là, je suis bête. Je n'avais rien vu une fois de plus. Oui, un peu loin. Et boum. Le bruit de l'explosion, il était où? Dans mon cul, c'est ça? Ouais, dans mon cul. Alors.
Ah mince. Un instant, chers amis. Chers amis, excusez-moi. Bon. Qu'est-ce qu'on faisait? Oui, on montait. C'est ça? C'est ça. On montait. La nuit tombe ou c'est moi? Ouh. Petite ambiance mystique, chers amis. Oh, je l'aurais pas vu celui-là. Je vais rechercher une truc. Bon, alors nous voilà parés à nouveau. Prêt à recommencer. Ça me fait penser à, au DLC de Borderlands The Pre-Sequel, ce pré-sequel là. Avec des explosions. Non, c'est dans le 2 ça. Je crois que c'est dans le 2. Donc là-bas, on ira après. Hop. Ici, on a ça. Ok, donc là-bas, on y reviendra. Je vérifie ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, chers amis, avant. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est très étrange. Les fameux sous-sols ! Je voulais juste me retourner. Aïe. Aïe. Boum. Recule. Salut les mecs. Des bons petits verres. Alors. De ferraille. Alors apparemment les tunnels sont infestés de rats. Enfin ces endroits là sont infestés de rats. Je pense que les rats c'est les mecs. Y'a quoi là? Emblème de Scrotus. Putain. Ah. Élément de projet. C'est exactement ce que je voulais. On va pouvoir aller le terminer. Le problème c'est que j'ai pas envie de descendre tout de suite sachant que j'ai vu un élément. Voilà. Ah ça me fait remonter. Ah je m'attendais pas à ça. Mince. Hop. Allez lâche. Oh putain je crois que c'était un cul-de-sac. Oh la gueule. Ça ça va faire des dégâts même à moi à mon avis. Non ça va, ça baigne. Putain. Quelle idée débile de mettre des réservoirs de carburant sous terre. Bah du coup on va aller passer par là. Parce que je suis curieux de savoir où ça mène en fait. Bah alors. Ah putain, il y avait un truc à tirer là en fait. Fais chier, ça se trouve en fait c'est par là qu'il fallait que je rentre. Merde, Crudy. Un autre réservoir de carburant, mais je l'avais pas vu celui-là. Non, parce que c'est là que j'ai bouffé les verres. Boum. Comment j'y passe par là? J'imagine que c'est dans l'autre entrée en fait. Ok, bah on va faire ça comme ça. On verra bien. Allez, grimpe. Ah, Max. Arrête. Arrête d'être con. Ça te changerait. Bon. Jusque là, ça c'est bon. J'ai plus de balles aussi, ça faut que j'y pense, c'est important. Là j'ai de la ferraille.
Est-ce que j'ai vu le panier là, l'espèce de panier à la con? Oh, il y a une échelle. Il semble en avoir vu un, bon bah tant pis. Je me suis planté, ça m'étonne. Allez, descend. Ok, c'est bon. C'est tout bon. Le voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'on a là? Emblème de Scrotus. Parfait. Et de 1. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? 3 ferrailles, 2 emblèmes. Et 3 réservoirs. Ok, si tu le dis. J'imagine que c'est là que j'étais tout à l'heure. Allez, venez les mecs. C'est l'heure. Et non. Raté. Boum. Oh. Aïe. Putain mais. Voilà. Il y a des trucs, qui explosent, je comprends pas pourquoi. Il y a une tornade? Il y a une tornade, chers amis. Il y a une espèce de tornade, je crois, qui emporte des objets. Mais c'est épique! J'en ai les yeux qui piquent tellement, ouais. Je pense pas que ce soit la bonne raison. Un petit peu de manger. On va manger un petit coup alors. Oula, on est pratiquement à 25 minutes. On a plus de 25 minutes d'épisode. Qu'est-ce que j'ai par là? De la ferraille. Plus que 2 de ferraille. Alors. Là, là j'ai quelque chose. Avec rebond. Et ça touche. Des cartouches, je les avais pas vues. Alors? Parfait. Oh, dis donc, la récupération de cartouches supplémentaires, c'est pas top. Hein. Réservoir de carburant. Oui, je veux bien te croire. Cependant, encore faut-il que j'arrive à le rejoindre. Bon, on va repasser par l'échelle qui est là. Non, qu'elle est pas là, elle est là. Et on verra bien. Moi, je suis passé par là, je suis descendu là. Ok, faisons le tour. Un petit peu de ferraille supplémentaire. Y'a rien d'autre. Mais c'est que je vais être carrément vexé. Est-ce que je dois l'utiliser ou pas? J'ai un doute. Le doute me prend, chers amis. Heureusement, il n'y a que le doute qui me prend. Ça
Ça s'est cassé, c'est bon. Je me sens tout con, chers amis. Est-ce que j'ai un réservoir ici? Je pense. Ah, d'accord, je comprends pourquoi ils m'ont donné la cartouche. Voilà. Par contre, on a oublié des choses en bas. Hein. On a clairement oublié des choses en bas. Oui, je sais bien qu'on l'a eu. Voilà, on a oublié deux emblèmes et une ferraille. Donc ça va pas. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Deux emblèmes et une ferraille, c'est beaucoup trop d'oubli. Deux emblèmes surtout, ça m'intrigue. Comment j'ai pu oublier deux emblèmes en fait? On va descendre. Ok. Là, je comprends pas comment je peux pas aller là en fait. Pourquoi je peux pas aller là? C'est pas là. Moi, je veux aller là. Ah bah. Je me sens con, dis donc. Bim. Un emblème. Donc il me reste un emblème à trouver quand même. Et 9 sur 9. Il me reste un emblème à trouver et je n'ai pas la moindre idée de là où il est. De là où il peut être. Non. Tant pis, l'épisode sera plus long. Hein. Pour votre plus grand plaisir. Ah, il est pas genre. J'ai plus de balles. J'allais dire, il est pas genre en face de quelque chose ou. Voilà. Bon, ça c'est fait. Et parce qu'on est sport, on va y aller. En voiture. Oula, c'est un peu chaud par là. No fear. Salut les mecs. Parce qu'on est sport, on va y aller donc en voiture. Bah non. Ah si, ça l'avait fait en fait. Allez, on y va. J'ai toujours pas compris comment il passe les vitesses. Hein. Parce que ça m'étonne que ce soit une boîte auto. Hein. Dans du désert, une boîte auto, c'est pas bon. Le jour où on verra des rallyes de voitures avec des boîtes auto. Enfin, des rallyes sérieux, quoi. Alors, si quelqu'un est au courant qu'il y ait des rallyes avec des voitures en boîte auto, je serais ravi d'avoir un lien pour voir ce que ça donne. Mais ça doit pas être terrible à regarder. Hein. Ah, j'en veux avec des boîtes auto et des freins à main électriques. Voilà. Ah putain. J'ai cru que c'était là. J'ai pas regardé la route. Enfin, j'ai pas regardé la carte. Ok. Blah! Il s'est passé un truc à la fin, je crois. Alors. J'ai réparé un truc. Oh, Mouduglan, j'ai réparé un truc. J'ai un projet en cours. Oh putain.
fait non, j'ai juste zéro projet en cours. Apparemment. Bon. Et je crois que je viens de coincer Max. Non, c'est bon, il sort. Non, c'est bon, j'en suis sorti. Bon. Ah bah cool, on a de quoi s'acheter un meilleur... harpon. Niveau 4, on va enfin pouvoir arracher des roues, pardon, je vais y arriver. À nos adversaires, ça c'est cool. D'accord. Coup 400. Intéressant. Elle coûte 400 celle-là. Bon. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode qui aura duré bien assez longtemps. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce-vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.